Semblerait qu'il y a un petit problème. Je ne sais pas si quelqu'un me voit. Dans tous les cas, il semblerait qu'on ait un problème avec le live. Ah, ça y est. Bonsoir. On a failli faire un faux Bonsoir. départ. Bonsoir, Bonsoir, Lucia. on a eu un petit souci technique, on dirait. Pour commencer, on peut dire que dans la continuité de la semaine digitale du cheval, la Fédération des conseils des chevaux organise une soirée spéciale tous les vendredis avec un live. La semaine dernière, on traitait plutôt de tradition avec une interview d'un sellier assez connu. Ce soir, on va parler innovation. On retrouve le pôle Hippolia et Equisens pour nous parler d'innovation ce soir sur la semaine digitale du cheval. On a le plaisir de recevoir Mika du pôle Hippolia et Lorraine qui nous Bonjour. viendra un peu plus tard. Bonjour Mika. Et Bonjour. Lorraine d'Equisens qui nous rejoindra un petit peu plus tard. Mika, comme tu es présente, je t'invite à nous présenter un peu ce que tu fais, ton métier, etc. Alors donc je m'appelle Nika, je suis directrice du pôle Hippolia. Alors le pôle Hippolia, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. Donc qui a pour mission de booster la filière équine. Sa mission, son claim, c'est de positionner la filière équine française comme leader en innovation avec un cœur battant en Normandie. En clair, ça veut dire que notre métier, c'est d'essayer d'aider autant que faire se peut les entreprises de la filière équine française à se développer, à travailler ensemble, à trouver des synergies, à rayonner à l'international. Et avec un cœur battant en Normandie, parce que la Normandie en France, c'est clairement la terre du cheval par excellence. C'est un peu Et le cœur du réacteur de notre filière. Donc voilà ce qu'est le pôle Hippolia. Et très rapidement, pour décrire ses principales missions, on travaille pour accompagner les entreprises individuellement ou collectivement. Donc accompagner individuellement, ça veut dire les aider. Si par exemple une jeune entreprise veut se développer ou chercher des investisseurs ou des fonds, on va essayer de l'accompagner là-dedans. Si une entreprise plus mature a une problématique spécifique qui cherche un partenaire technique, on va l'aider à trouver ce partenaire technique, soit en s'adressant à d'autres pôles de compétitivité, soit en s'adressant à des clients ou à des relations d'entreprise qu'on a. Donc il y a cette mission d'accompagnement qui peut aussi être collective si par exemple on va développer des projets collaboratifs pour faire travailler les entreprises ensemble. Donc voilà, il y a cet aspect accompagnement. Si vous avez des questions, je pourrais détailler, mais c'est un des premiers volets. Le deuxième grand volet, c'est tout ce qui est intelligence économique. Ça fait clairement partie de notre mission première, d'essayer de rassembler toute l'information qui peut être utile à la filière, de la synthétiser et d'ensuite de la diffuser parmi nos membres. Donc ça va concerner plein d'aspects, on a beaucoup de veilles différentes. Et dans l'axe intelligence économique, on est aussi capable de faire des études ad hoc en fonction des besoins d'une entreprise. Et on développe aussi, et on en parlera plus tard, le panel Hippolia Lab sur lequel on pourra revenir éventuellement. Et enfin, le troisième grand axe, c'est tout ce qui est animation de réseau. Qui va dans le sens du développement commercial, de la synergie entre les entreprises. Là, clairement, notre rôle en tant que réseau, c'est de faire en sorte que les entreprises travaillent ensemble, apprennent à se connaître, et aussi, et c'est un des volets les plus importants des pôles de compétitivité, travaillent avec la recherche. Pour vous donner un exemple de pôle de compétitivité ou d'équivalent de pôle de compétitivité que tout le monde connaît, c'est la fameuse Silicon Valley, où là, on est dans une logique où les entreprises travaillent avec les labos, qui travaillent avec la recherche, qui travaillent avec les universités, qui développent des liens avec les étudiants. Enfin voilà. Et donc, on est dans une espèce de cercle hyper vertueux. C'est l'esprit des pôles de compétitivité. Et donc, à notre petite échelle, évidemment, comparé à la Silicon Valley, à l'échelle du pôle Hippolia et de la filière équine française, c'est notre rôle d'essayer de faire fonctionner ce cercle vertueux. Ok, ouais, donc c'est surtout des synergies pour aider les professionnels du cheval à s'améliorer en fait. C'est ça, des synergies et l'apport de compétences. Et puis pour ce qui est de l'innovation, on a aussi évidemment un rôle pour aider les innovations qui se manifestent à nous à trouver des débouchés, à trouver des financeurs, à trouver des fonds, à être visibles et faire rayonner le plus possible.
Ok, très bien. Alors, bah, merci déjà pour cette introduction. Ça en dit long déjà sur toutes les missions du pôle. Ensuite, vous avez abordé tout à l'heure le sujet de Dipolia Lab. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu plus? Alors, Hippolia Lab, c'est ce qu'on appelle un panel. Alors, on entend souvent panel au sens panel consommateur. Pour ce qui est de la filière, on va dire que c'est un panel acteur de la filière équine. Je m'explique, un panel dans le langage courant ou dans le langage des sondeurs, c'est un regroupement de consommateurs que le sondeur, donc je sais pas, Sofres par exemple, va essayer d'animer et va questionner quand une entreprise vient voir ce sondeur pour lui dire, moi je voudrais interroger les gens sur mon produit, bah, le sondeur va voir son panel et lui dit, voilà, l'entreprise a telle ou telle question. Dans la filière équine, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est une filière petite et donc les sondeurs, bah, ils ont très très peu finalement à l'échelle de la population qu'ils sondent, très très peu de cavaliers et les ou de cavaliers ou d'acteurs de la filière équine plus largement. Et quand ils en ont, bah, le profil est très peu défini. On sait éventuellement juste que, je sais pas, par exemple, ils ont une licence FFE, mais on n'en sait pas beaucoup. Donc, quand un sellier ou un acteur de la filière équine autre, je sais pas, se dit, tiens, moi je voudrais interroger les gens qui sont plutôt dans le CSO et qui ont deux chevaux et qui ont entre 20 et 40 ans, ben c'est un peu compliqué parce que les sondeurs classiques n'ont pas cette population, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils aillent la chercher, rien que pour ce client-là, qu'ils interrogent des millions de personnes pour finalement avoir 100 personnes, j'exagère et je caricature, mais 100 personnes qui répondent à ce critère. Évidemment, ça a un coût exorbitant. L'idée, nous, en tant que pôle de la filière équine, c'est clairement de notre mission, on s'est dit que ça faisait partie de notre mission de délivrer ce service aux entreprises de la filière, d'essayer de constituer ce panel d'acteurs de la filière équine pour que les entreprises de la filière puissent nous solliciter pour dire, bah voilà, moi, je veux faire une enquête et je voudrais interroger les personnes de la filière qui ont tel et tel profil. Et quand D'accord. j'insiste sur le fait que c'est pas seulement les consommateurs, mais plus largement les acteurs de la filière équine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment on va parler de toutes les disciplines de la filière. Alors ça va évidemment du CSO, dressage à l'endurance, le loisir, la randonnée, etc. Les courses évidemment. Et on va aussi s'adresser aux entreprises de la filière, aux pros, aux centres équestres, aux écuries de propriétaires. Même aux parieurs, puisque les parieurs, ben c'est évidemment, ils sont partie intégrante, ils contribuent à l'énergie de notre filière. Donc l'idée, Oui. c'est que le panel soit vraiment représentatif de l'ensemble des acteurs. Donc ça, on l'a lancé fin 2020. On est en train de constituer ce panel, de recruter les panélistes. Donc appel d'ailleurs aux bonnes volontés. Surtout, n'hésitez pas à vous inscrire sur le panel Hippolia Lab, Donc, hippolia-lab.com. même des particuliers peuvent participer, du coup? Pardon? Même des particuliers peuvent participer, par exemple, moi, j'ai un Surtout, panel. surtout, 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 OK. tout le monde, dès que vous êtes acteur, que vous soyez pro, que vous soyez un particulier, cavalier, loisir, que vous montiez une fois par semaine ou tous les jours 5 chevaux parce que vous êtes un pro, c'est vraiment essayer d'être représentatif de tous les gens qui sont dans les chevaux, les professionnels du soin, les clubs, les gestionnaires, les gérants de centres équestres ou d'écuries, les cavaliers eux-mêmes, tout le monde. Donc, hippolia-lab.com, inscription, vous avez un questionnaire de 5 minutes, c'est gratuit évidemment, et au bout d'un certain nombre d'enquêtes, il y a une boutique cadeau et vous pourrez gagner des cadeaux. Et je précise aussi que les entreprises vont être amenées probablement à solliciter les panélistes pour tester des produits. Donc, c'est aussi une occasion Ah ouais. de tester des produits en avant-première et de donner son avis. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant à la fois pour les entreprises et pour les panélistes qui pourront du coup être au cœur de ce qui se fait, quoi. Ah ouais, mais c'est génial. Enfin, moi, je découvre un peu l'existence de ce On vient de le lab. faire. On l'a lancé il n'y a pas longtemps. Bah, faut aller Ah ouais. s'inscrire. Il faut aller s'inscrire. Ah bah oui, bah je vais faire de la pub aussi, hein, quand je Voilà. serai plein, 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 plein. Ah ouais, non, c'est super parce que ça permet aussi aux particuliers de, qui ont simplement des chevaux pour leur plaisir ou parce que C'est leur ça, mère, tout ils le en monde. ont. Ouais, c'est Oui, super, parce franchement, ça les implique aussi. on est tous acteurs, consommateurs ou consomme-acteurs de la filière. Ouais, Donc, c'est sûr. On contribue à l'énergie de l'autre et inversement, et si on arrive à constituer ce panel, on devrait arriver à répondre à cette demande des entreprises de la filière qui ont besoin souvent d'avoir un retour, un feedback des gens. Et c'est difficile à avoir aujourd'hui. Ou alors on va Oui. voir
propre base client, mais il y a un biais, puisque par définition, ils sont déjà clients, donc a priori, ils sont déjà entre guillemets contents ou intéressés. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose de représentatif de l'ensemble de la filière. Oui, bah c'est vraiment ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde, les particuliers surtout, parce qu'on a parfois l'impression d'être mis un peu de côté vis-à-vis des institutions du cheval, et ça peut être plutôt Non, chouette vraiment, de ça s'adresse à tout le monde et j'invite leur. à s'inscrire. Plus on sera, plus les réponses et plus les enquêtes seront fiables. Et oui, c'est sûr. Et alors, j'ai vu une question, bah, du coup, ça a répondu une question dans le chat qui était sur comment participer. Donc, j'imagine que le lien pour s'inscrire sera dans la description du live. Enfin, dans tous les cas, à Eh mon ben, avis, ça sera votre j'espère que prochain. vous pourrez le rajouter, mais c'est Hippolia Ouais. du 6 lab.com. Et une fois que vous êtes là, il y a des explications sur ce que c'est Hippolia Lab si vous voulez en savoir plus. Et sinon, vous cliquez sur inscription et vous arrivez sur le questionnaire. Ça prend 5 minutes, il n'y a rien d'indiscret. Évidemment, on est RGPD, il n'y a aucun souci sur la confidentialité des données. Et le questionnaire, il vous prendra 5 minutes, je pense, à peu près, à répondre. Ok, bon, ça, à mon avis, il y aura peut-être du monde du coup à la suite de ce live, j'espère. Volontiers, on vous accueille avec grand plaisir tous. Revenir aussi sur les missions d'Hippolia, il y a une question sur les formations qui font partie du pôle Hippolia. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur les formations qui sont Alors, on a labellisées Hippolia? effectivement. Alors, il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, hein. Nous, on n'est pas des formateurs. Donc, alors, j'ai un problème. Excusez-moi, mais ça coupe. Pardon. Attends, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, on ne dispense pas de formation. Donc, si cette question est de savoir si on dispense des formations, on n'est pas des formateurs. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on a parmi nos membres des organismes de formation, puisque, comme je le disais tout à l'heure, la dynamique d'un pôle de compétitivité, elle se fonde sur les interactions et les synergies qu'il peut y avoir entre les entreprises, la recherche, les labos, les universités, les formations. Donc effectivement, on a un certain nombre d'organismes de formation parmi nos membres. On a par exemple l'AFASEC qui travaille sur les métiers des courses. On a des écoles d'ostéopathie comme Diopraxia ou le FOA. On a évidemment l'École nationale vétérinaire. On a Grossup Dijon qui délivre un master dans sciences et management de la filière équine, le master MESB. On a aussi des lycées agricoles. Enfin voilà. Donc on a divers membres qui font C'est varié, quoi. de l'écosystème Hippolia avec lesquels on essaye de travailler le plus étroitement possible, soit en allant intervenir au sein de leurs institutions, soit le cas échéant quand il y a des projets de tutorer, des projets de recherche, Ah oui. aussi de créer du lien de cette manière-là. Et oui, d'accord, pour les étudiants, c'est toujours hyper formateur de pouvoir aller un peu sur le terrain rencontrer des professionnels C'est ça. pour Et découvrir, quoi. voilà, ça peut créer du lien. Ouais. Ok. Alors, juste une question, Mika, est-ce que tu m'entends bien? C'est un petit peu une question. Je t'entends, je t'entends. Ok. Je sais pas si le public t'entend bien, mais moi je t'entends. Ok, bon. L'important, c'est qu'on t'entende toi, puisque c'est toi qui réponds aux questions. De souci. Alors, ensuite, au niveau des questions, attends, un instant, je suis un petit peu perdue là. Ah oui, si un particulier a un projet en lien avec les chevaux, est-ce qu'il peut être accompagné par le pôle? Oui, alors bien sûr, le pôle accueille les membres de la filière équine. Juste une précision, on ne travaille, nous ne sommes pas, nous travaillons pas pour ce qu'on appelle le terrain. C'est-à-dire que dans nos membres, il n'y a pas les écuries, les centres équestres, les hippodromes, etc. Ça, c'est le métier, par exemple, des conseillers des chevaux ou de la FFE OK. pour la compétition, etc. Nous, on travaille avec les entreprises de services, d'industrie, de distribution, sur la partie purement entreprise, par opposition à terrain. Donc, si vous avez un projet en rapport avec les chevaux, oui, ça dépend. En rapport avec les chevaux, ça peut vouloir dire plein de choses. On a des membres qui sont, par exemple, qui fabriquent du textile pour les cavaliers ou pour les chevaux. On a des membres qui font Ouais. des camions. On a des membres qui délivrent du conseil en marketing. On a des membres qui font des capteurs, des objets connectés. Enfin, on a des membres qui font des logiciels. On a vraiment de tout, des gens qui construisent des écuries ou des sols équestres. Enfin, c'est vraiment l'ensemble de ce périmètre-là. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à frapper à notre porte. Ce qui est sûr, c'est que si votre projet
rentre pas dans les critères du pôle, on saura de toute façon vous orienter. Si votre projet doit plus aller vers un conseil des chevaux, on vous le dira. Enfin voilà, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous contacter. Ah bah d'accord. Donc en fait, ouais, faut pas hésiter à le contacter dans tous les cas. Non, non, parce que évidemment, la filière équine est un petit monde. On connaît nos collègues qui vont être aider des projets éventuellement différents de ceux que nous on est en capacité d'aider. Donc le relais se passe très facilement. Alors justement dans cette idée d'avancer. Il y a une question là sur le chat. Avez-vous une échelle du nombre de projets d'innovation travaillés durant 2020? Une échelle du nombre de projets d'innovation travaillés durant 2020. Ouais, en gros, toutes les innovations de 2020. Ça dépend ce qu'on appelle par travailler. En fonction des années, jusqu'à présent, le pôle a eu jusqu'à 200 membres. Alors, la période Covid a un petit peu baisser ce nombre de membres, mais le pôle avait jusqu'à 200 membres. Tous les membres créent pas une nouvelle innovation tous les ans, donc je sais pas exactement ce que signifiait cette question, mais peut-être que ça fait référence à notre capacité à labelliser des projets. Alors, j'explique, un pôle de compétitivité a cette possibilité de décerner un label à des projets qui sont particulièrement en phase avec la filière. En l'occurrence, un projet peut être labellisé quand il apporte une valeur ajoutée à la filière, quand il est viable uniquement et quand il est innovant. Et alors attention, parce que innovant, ça ne veut pas dire invention. Une innovation, ce n'est pas une invention. Une innovation, c'est quelque chose de nouveau. Et nouveau, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, des produits de soins qui sont naturels alors que... juste avant, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de produit de soins naturel. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir réinventé la roue ou Internet ou l'électricité. Ce n'est pas ça l'objet. On est vraiment dans l'innovation, y compris l'innovation dite incrémentale, petit à petit, où on fait progresser des produits. Donc, ce dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire la labellisation, c'est un rôle que jouent les pôles de compétitivité pour sélectionner des projets innovants qui répondent à des critères assez précis, puisque c'est la vocation du pôle de compétitivité. Quoi, par exemple, t'as des idées, ça contribue, par exemple, à essayer de voir si le projet apporte effectivement quelque chose de nouveau, s'il a une vraie valeur ajoutée pour la filière, et s'il est viable économiquement, a priori. Alors évidemment, on ne peut pas lire dans une boule de cristal, mais les signaux sont ouverts ou pas. Donc, ça, dans les grands blocs, c'est à peu près ça. Pour précision, les personnes qui jugent de la labellisation ou non du projet, c'est un comité d'experts indépendants et anonymes. Il n'y a pas les experts en question ne sont pas connus des gens qui postulent. Oui, il n'y a pas de conflit d'intérêt comme ça. Ouais, on est sûr qu'on est en zone de neutralité complète. Il y a une confidentialité et une obligation de confidentialité de ces experts. Donc, si vous avez un projet innovant et que vous craignez que ça s'évente, enfin, les process de labellisation sont très encadrés et on est sur des gens qui savent ce qu'ils font et qui ont signé des engagements de confidentialité et qui n'ont aucune relation évidemment avec les personnes qui présentent des projets. Donc, ce comité d'experts indépendants rend un avis et à partir du moment où cet avis est rendu, si la labellisation a été acceptée, le projet devient donc porteur de ce label. Alors, pense que ce label peut donner accès, alors pas mécaniquement, mais en tout cas, il apporte une véritable crédibilité, une légitimité. Ce label dit le Polypolia, qui est le pôle de compétitivité de la filière équine. Son comité d'experts indépendants a jugé que ce projet était innovant et avait une véritable valeur ajoutée pour la filière. Donc, quand vous vous présentez avec ce label à un financeur, qu'il soit privé ou public, par exemple, ça rajoute du poids dans la balance, quoi. C'est un élément de crédibilité parce qu'évidemment, je ne sais pas si vous allez voir votre banquier, il n'est pas forcément spécialiste de la filière équine. Donc ça, certainement pas, à mon avis. Ça sert aussi de crédit au sens premier du terme, de crédibilité. Ça apporte un maillon de crédibilité supplémentaire. Ok, ouais, donc c'est quand même pas rien finalement. Enfin, on n'est pas les seuls. Enfin, tous les pôles de compétitivité ont cette légitimité octroyée par l'État de donner des labels à des entreprises. Juste pour revenir sur ce qu'est un pôle de compétitivité,
C'est un label qui a été donné, qui a été créé par l'État en 2005 et qui fait partie de la stratégie de l'État qui consiste à essayer de booster et de dynamiser les filières stratégiques pour le pays. Donc en 2005, ils ont lancé un appel à candidature pour recevoir des candidatures d'associations qui souhaitaient être porteuses de ce label de pôle de compétitivité. Le Polypôle est devenu pôle de compétitivité à ce moment-là. Le programme de l'État sur les pôles de compétitivité se fait en phase de 4 ans, et tous les 4 ans, chaque pôle de compétitivité remet son métier sur l'ouvrage en disant « moi je veux être prolongé pour rester pôle de compétitivité et conserver cette légitimité ». Donc on rebat les cartes, parce qu'on s'en doute sur ses lauriers, et la dernière rebattue des cartes, entre guillemets, c'était en 2019, donc le Polypolia a conservé son label de pôle de compétitivité en 2019, et on est dans ce programme qui dure 4 ans à partir de 2019. Ouais, donc c'est plutôt intéressant parce que vous, ça vous permet aussi peut-être de trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux membres. C'est ça. Alors ça fait clairement partie de notre métier, dans le cadre de cette mise en réseau, de chercher toujours, et sans jamais s'arrêter, des nouveaux partenaires, en plus des nouveaux membres, mais des nouveaux partenaires qui peuvent contribuer à cette dynamique et à ces synergies entre, comme je le dis, je le répète, entreprise, recherche, formation. Et oui, ouais, donc, oui, c'est ça, pour qu'en fait, ça soit un cercle vertueux, comme tu le disais tout à l'heure, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, une autre question qui a été posée en amont. Mon entreprise d'aliments équins ne propose pas d'innovation. Ai-je un intérêt à me rapprocher du Polypolia? Alors, oui, bien sûr. Le Polypolia, certes, a une mission de booster l'innovation et d'aider l'innovation à émerger. Néanmoins, c'est avant tout un réseau dynamique de la filière équine pour aider la filière équine à créer ces synergies dont on a déjà parlé plusieurs fois et à rayonner le plus possible. Donc, même si vous ne portez pas une innovation aujourd'hui, d'abord, ça ne veut pas dire que vous n'en porterez pas une demain, d'une part. Et puis, oui, nous, nos services ne s'adressent pas exclusivement à l'innovation, comme je l'ai dit. Ça peut être de l'accompagnement classique, ça peut être par exemple, on fait les trophées de l'innovation à Paris ou le village des startups à Lyon, mais on va aussi sur d'autres salons où on peut emmener les entreprises qui souhaitent se faire connaître. Je donne un exemple. À l'époque où on allait encore à des salons, le Polypolia d'aller sur un salon allemand qui s'appelle Spoga avec un certain nombre de ses membres. Et là, en l'occurrence, l'union fait la force. On est capable de prendre un stand plus grand, un stand mieux placé. Peut donner une espèce de haut-parleur aux entreprises qui viennent avec nous. Et d'ailleurs, c'est juste une question, c'est que des entreprises françaises que vous recensez? Alors, à 99,9%, pour l'instant, les exceptions qu'il y a sont surtout dans le domaine de la recherche. D'accord. Oui, parce que c'est pas effectivement, on est un pôle de compétitivité de la filière équine française. Il y a quelques cas où on a des partenariats avec des acteurs étrangers sur la partie recherche. Ah, bonjour. Par contre, sur l'international, pour le côté développement, ça fait partie de la phase 4, de la phase 4 des pôles de compétitivité. D'aider les entreprises françaises à s'européaniser. Et je vois une question d'ailleurs. Des pôles européens pour aller ensemble sur des marchés émergents. Alors, ça tombe bien, c'est un peu dans notre actualité. On a justement répondu à un appel d'offres européen il n'y a pas très longtemps, on attend le résultat. Ça fait clairement partie de la stratégie des pôles de compétitivité sur cette phase 4 et donc de la nôtre, d'aller vers l'européanisation, c'est-à-dire d'aider nos membres à entrer en contact pour, bah, évidemment, il y en a qui travaillent déjà à l'international et qui ne nous ont pas attendus. Hein. Mais pour ceux qui sont un peu moins grands, moins matures, qui n'ont pas 20 ans, d'histoire, etc., et qui n'ont pas forcément encore ces contacts-là, ça fait partie de notre rôle de les aider à l'export, d'essayer de tisser des liens avec des acteurs dans d'autres pays d'Europe. Et l'union faisant la force, et je pense que c'est peut-être à ça que la question faisait référence, essayer de se grouper pour aller chasser en meute. Je déteste ce terme, mais c'est un terme qui est souvent utilisé dans le domaine de l'export et de l'international, pour aller chercher des marchés hors Europe, y compris des marchés émergents. Ok, très bien. Alors, écoute, on a
abordé pas mal de questions sur ce qui avait été posé en amont. Alors, je voulais te poser une question, mais j'ai oublié la contenance. De toute façon, il reste 4 minutes. Je ne sais pas si tu veux poursuivre un peu sur... Non, mais il y a des choses sur la partie intelligence économique, il y a une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure. L'intelligence économique, on a la partie Polyalab dont on a déjà parlé, mais on a aussi tout ce qui est veille. Et je n'ai pas détaillé cette partie-là. L'ensemble des sujets qu'on est capable de traiter aujourd'hui sur la partie veille, c'est les veilles juridiques, on fait une veille nouveaux produits, on fait une veille internationale, une veille scientifique, propriété industrielle, fonds européens, marché public. Donc on essaye vraiment d'aborder un maximum de thématiques susceptibles d'intéresser nos membres, une partie de nos membres. Tout le monde ne s'intéresse pas à tous ces sujets, mais chacun peut aller pêcher, entre guillemets, dans les veilles qui l'intéressent et s'abonner à la veille qui l'intéresse. Donc ça, c'est sûr. Si, oui. Ces veilles, elles sont dispo pour tout le monde. On peut aller les retrouver sur le site Ipolia. Pas du tout. Non. Alors, quand même, c'est réservé à nos membres. C'est beaucoup de boulot. Okay. En fait. Vous imaginez ce que c'est d'aller rassembler toutes ces infos, de les analyser, de les compiler, de les résumer, de les mettre à dispo pour les membres. Et c'est facturé, pour être complètement transparent, c'est entre 100 et 150 euros par an la veille. Comme n'importe quelle entreprise qui fournit ce genre de prestations. Après, c'est... Voilà, c'est ça. Comme la COFAS, ce genre de choses. Je pense beaucoup moins cher, puisqu'on a une mission quand même qui est en grande partie de service public. Et d'ailleurs, la région Normandie soutient financièrement très fortement le pôle de compétitivité, puisque la région Normandie soutient la filière équine, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le cœur du réacteur pour la filière équine. Ah oui, pour les chevaux, ouais, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, après, qu'est-ce que j'aurais bien voulu vous expliquer d'ailleurs ? Oui, vas-y. Si tu n'as plus d'idées, en tout cas, je voulais revenir sur les événements auxquels Ipolia participait, puisqu'on a parlé des salons. On va considérer que c'est en temps normal, hein, pas en temps Covid. De toute façon, pour être très clair, nous, tant que c'est pas annulé, ça existe. Hein. Donc, je prends le principe qu'on va aller à Equita cette année, on va aller au Salon de Paris cette année, on va aller à Angers cette année, Spoga, c'était février, donc ça, je peux déjà dire qu'on n'y est pas allé, puisque c'est... voilà. Et cette année, on va peut-être, c'est pas sûr, mais on va peut-être aller à la Motte, et si nos membres souhaitent venir à la Motte. Voilà, des types d'événements auxquels on va avec nos entreprises, avec des thématiques souvent innovation, mais pas que. Oui, parce qu'après, finalement, vous traitez... de tout un tas de choses, pas uniquement l'innovation. Enfin... Non, c'est vraiment le fer de lance, parce qu'on sait, et c'est pour ça que les pôles de compétitivité existent, que l'innovation, c'est un des leviers principaux de développement d'une filière dans un pays. C'est ce qui fait qu'une filière va rayonner à l'international et être reconnue comme the pays ou the filière. Et clairement, la filière équine française a énormément d'atouts dans son sac, et on est vraiment dans cette logique-là. Ce rayonnement, on doit y contribuer, on n'est pas les seuls, beaucoup d'acteurs y contribuent, et voilà, on fait partie de cet écosystème-là, et on essaye de booster cet écosystème-là. Ok, bon. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions et que tu as abordé tout ce que tu voulais dire, je pense que on a fait le tour. C'est bon pour moi, merci beaucoup. Merci à toi, Nika, pour toutes tes explications. Merci, bonne suite et bonne suite à toi. Merci, toi aussi, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Alors, maintenant, nous allons recevoir Lorraine. Bonjour. Est-ce que ça marche ? Bonjour Lorraine. C'est bon, ça marche. Bonjour. Youpi. C'est bon, tu me vois ? Alors, Lorraine, du coup, je te vois, je t'entends, tout va bien. Impeccable, la transition c'est bien faite, donc ça c'est parfait. Nickel. Donc déjà, au même titre que Mika, je t'invite à te présenter ce que tu fais, comment tu es arrivée au poste où tu es, etc. Enfin, à parler un petit peu de toi, quoi. Ok. Donc du coup, moi c'est Lorraine. Non, c'est bon. Il y a un léger décalage, je pense, mais
on va s'y faire. Donc, ouais. Du coup, donc, moi, je m'appelle Lorraine, je travaille pour Equisens depuis 7 mois maintenant et je m'occupe de toute la partie marketing. Donc, je suis responsable marketing pour Equisens. Voilà. Equisens, peut-être D'accord. que tu veux que j'explique ce que c'est dans les grandes lignes? Oui, si tu veux, c'est bien. Je pense que tu es bien placé pour en parler. Ok. Donc, en fait, Equisens, c'est une entreprise qui existe depuis 2015 et qui a été fondée par Benoît et par Camille, qui étaient tous les deux à l'UTC de Compiègne. Et en fait, c'est parti d'une idée un peu, enfin, d'un constat un peu simple de voir que dans tous les sports qui existent, il existe des montres connectées. Que ce soit pour les nageurs, les joggeurs, voilà. Et nous, en équitation, on n'avait rien pour mesurer en fait nos performances. Alors que, enfin, finalement, le progrès en équitation peut aussi être mesurable par des indicateurs tout à fait évaluables et des indicateurs numériques. Donc voilà, en partant de cette idée-là, ils se sont lancés dans la création du Motion, donc qui est sorti. Alors ils ont fait un Kickstarter en 2015, il est sorti en 2017. Et qui, en fait, sur la base d'une vingtaine d'indicateurs, va venir analyser la locomotion du cheval. Voilà. Et initialement, ils voulaient tout de suite intégrer du cardio. Mais finalement, c'était un peu compliqué parce que c'est des technologies un peu complexes. Mais alléluia, le Motionless est sorti en 2017 avec une fonctionnalité fréquence cardiaque qui permet d'analyser finalement le cardio du cheval. Voilà. D'accord. Donc, ouais. Du coup, la différence, en fait, qu'est-ce que ça apporte le fait de connaître la fréquence cardiaque du cheval? Qu'est-ce que ça change, en fait? Alors, en fait, la fréquence cardiaque du cheval, ça te permet d'avoir de l'information finalement sur sa santé sportive. On n'a pas envie de dire que c'est pour avoir des informations sur sa santé de manière générale parce qu'on ne se prétend pas être vétérinaire et que ce n'est pas forcément notre rôle de donner cette info. Par contre, au même titre, encore une fois, qu'un sportif humain, si la personne va juste se muscler à la salle de sport sans travailler son cardio à côté, finalement, l'entraînement, il n'est pas complet. Et pour un cheval, c'est pareil. Donc, en fait, un cheval qui est musclé mais qui n'a pas de cardio, et sur une compétition de CSO, ça va se ressentir. Le cheval ne sera juste pas équilibré au niveau sportif. Donc, ça permet de mesurer ça. Et du coup, on a plusieurs indicateurs en fait, qui viennent mesurer le cardio. Il y a donc la fréquence cardiaque. Vous pouvez voir les battements par minute les battements par minute pour voir si la fréquence cardiaque est dans la moyenne en fait, des indicateurs pour les chevaux. Vous avez aussi le temps de récupération, le nombre de calories qui ont été brûlées. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vous permettent d'avoir un peu un indicateur sur la santé sportive du cheval. Voilà. Ouais, et puis d'avoir vraiment un suivi hyper complet des séances finalement, parce que si moi je suis toute seule sur mon capteur dans ma carrière, je vois que je vais réussir mes épaules en dedans, mais je ne sais pas comment mon cheval il est dedans en fait. Exactement. En fait, c'est ça. Nous, on ne dit pas qu'on remplace le ressenti parce que c'est pas vrai. Enfin, on pense que le ressenti est très important dans l'équitation et voilà. Et ça, on ne peut pas du tout le remplacer. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'on vient parfois valider les ressentis. Ou alors, parfois, au contraire, les cavaliers sont peut-être un peu surpris d'avoir le contraire en fait de ce qu'ils ont ressenti. Et du coup, ils se rendent compte que par exemple, ils ont l'impression que le cheval était vraiment, je sais pas, fatigué à la fin de la séance. Au final, ils se rendent compte sur le cardio que pas du tout, et que le cheval était pas du tout au maximum de ce qu'il pouvait faire. Et voilà, donc ça vient plutôt valider les ressentis sans les remplacer. Oui, d'accord. Oui, après, de toute façon, il faut toujours se fier au cheval quand il arrive à l'instant T. Voilà, quoi. Le capteur, ça, c'est un précieux outil, mais c'est vrai que ça ne nous remplace pas notre œil et ce qu'on voit sur le cheval, finalement, quoi. Exactement, c'est ça. En fait, c'est voilà. Nous, encore une fois, on ne remplace pas les coachs, on ne remplace pas les vétérinaires. On vient juste, en fait, comme des montres connectées pour les nageurs ou les joggeurs, on vient juste donner un soutien aux cavaliers. Et on peut aider justement les cavaliers qui montent seuls à avoir des fois d'autres informations. Voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, je vois sur le chat là, Omaidika, coucou. Oui. Qui nous dit que c'est un outil très pratique pour travailler équitablement à chaque main. Et c'est vrai que j'ai vu sur l'application qu'il y avait la latéralisation du cheval, savoir si on a plus travaillé à gauche qu'à droite, par exemple. Je ne sais pas exactement comment ça marche parce que j'ai juste l'appli sans le motion, donc je ne peux pas vous parler des bons outils que j'enregistre, mais...
Alors déjà, t'es pas la seule parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous connaissent pour les exercices et le contenu et pas pour le capteur, donc c'est normal. Mais ensuite, oui, on a un indicateur qui est très pratique pour savoir en fait la répartition à main gauche et à main droite. Et du coup, on se rend compte des fois qu'on a tendance à travailler un cheval plus d'une main qu'à l'autre. Et au final, alors c'est généralement les cavaliers qui ressentent que le cheval est peut-être plus facile à une main qu'à l'autre. Enfin, ça, on sait tous finalement. Et du coup, enfin. Un peu sans s'en rendre compte, des fois, on va plus travailler ce cheval à une certaine main plutôt que de, bah voilà, de travailler équitablement. Donc, c'est quelque chose qui est assez utile sur ce point-là, ouais. Et du coup, le capteur, donc là, on parlait de l'appli, il y a l'appli, le capteur. En fait, le capteur se branche à l'appli, en gros, et après, on a toutes les infos. C'est ça. J'ai juste l'appli sans le capteur et ça marche pas mal aussi. C'est vrai qu'avec le capteur, ce serait mieux, à mon avis, parce que j'ai pas toutes les données, mais déjà, on peut se traquer quand on part en balade, on peut enregistrer toutes nos séances. En fait, l'appli est très bien faite, hein. Ça, je préfère. Enfin, voilà, c'est un petit retour au perso. Non, Mais je trouve que l'appli. on est content que ça plaise. Enfin, en effet, l'application a appelé pas mal à beaucoup de gens parce que on y retrouve déjà plus de 400 exercices. Donc, pour l'inspiration, pour l'entraînement, c'est super pratique. Et en effet, il y a aussi plein de programmes d'entraînement, plein d'articles de blog. Donc, au niveau contenu, voilà, c'est gratuit. Donc, les gens aiment beaucoup l'application pour ça et ça permet une certaine inspiration pendant les entraînements. Et ensuite, en effet, la fonctionnalité GPS qui marche même sans capteur. Donc, vous pouvez suivre la distance parcourue pendant les balades. Voilà, il y a quand même des fonctionnalités qui existent en gratuit et qui sont très, enfin, aimées C'est par nos assez abonnés. large, hein. Oui, Voilà, ouais. c'est franchement, elle est vraiment bien cette appli. Et alors, Est du content. coup, si on veut le capteur, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, pour avoir le capteur, donc déjà on peut se le procurer sur la marketplace de la semaine digitale du cheval. Je profite pour voilà. On peut le on peut le trouver sur notre site internet, donc equisense.com. Et après, on peut également le retrouver donc sur les salons quand c'est possible, encore une Quand fois, c'est hein, comme possible. disait voilà Mika. Ouais. On est présent à beaucoup de salons, donc c'est un peu pareil que le Polypolia. Nous, tant que c'est pas annulé, on part du principe qu'on y sera. Ouais. On participe à Equitalion, on participe au Salon du Cheval à Paris, à la Motte. Et là, on va participer aussi à d'autres événements cette année. On a plein de choses en préparation, donc vous pouvez aussi nous croiser sur les salons si jamais vous êtes intéressé par le capteur. Et si on peut aller en salon? Et si on peut aller, croisons les doigts. Ouais. Il faut, si, si. Oui, faut y croire. Et d'ailleurs, voilà, donc tu as déjà répondu aussi à la question à quels événements tu participais, surtout des salons. Est-ce qu'il y a d'autres événements auxquels vous participez? Peut-être quelque chose qui n'ont, enfin, des endroits où c'est pas forcément que lié aux chevaux, mais peut-être plus dans le sport en général. Est-ce que vous participez à des salons pour l'innovation, justement? Moi, depuis que je suis ici, du coup, j'ai pas participé à des salons du tout parce que c'était le Covid. Mais non, alors là, pour l'instant, on n'a pas participé à enfin, des salons d'innovation, mais c'est en effet quelque chose auquel on pense parce que c'est généralement les gens qui vont dans des salons d'innovation et de nouvelles technologies vont être attirés par, vont être plus ouverts d'esprit pour adopter ce type de technologie et seront peut-être parfois plus faciles à convaincre, quoi. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'aller sur ce type de salon, en effet, à l'avenir. Ouais, c'est sûr. Bah oui, pour vous comme pour les gens, ouais, c'est clair que, enfin, les salons, ça manque beaucoup, je trouve, en ce moment. Et alors, une question qui a été posée en amont. Comptez-vous refaire un Top Rider Challenge très prochainement? Alors, si tu peux expliquer ce qu'est un Top Rider Challenge, parce que personnellement, je ne sais pas Ok, ce que je vais expliquer. Alors, c'est un peu comme, bon, enfin, c'est un peu le principe du Top Body Challenge. Je sais pas si c'est peut-être plus connu. En fait, c'est Ouais. un programme PDF. Enfin, on donne gratuitement en PDF aux gens sur 4 semaines, qui va en fait travailler le cheval de manière progressive avec des séances qui sont planifiées donc 4 jours par semaine. Et en fait, chaque jour, on donne des idées d'exercices, on donne un objectif, on donne les points d'attention pendant la séance et pendant l'entraînement. Et ce programme-là dure 4 semaines et on en a fait un en mai dernier et un à la rentrée et ça a été pareil très apprécié de tout le monde. Donc généralement on nous le redemande pas mal. Là pour 2021 on n'a pas prévu de faire un Top Rider Challenge comme on a pu en faire en mai ou à la rentrée. Ouais. Par contre on a envie d'en faire peut-être plus ciblé par discipline ou alors ciblé enfin avec un cavalier professionnel ou voilà quelque chose. Ajouter quelque part une valeur ajoutée à ce Top Rider Challenge et ne pas rester sur les programmes qu'on a fait avant.
Et aussi, du coup, on propose des programmes personnalisés écrits par Camille, la fondatrice, si jamais les cavaliers veulent aller un petit peu plus loin dans leur entraînement et avoir un vrai suivi finalement en fonction de leur niveau, de leur discipline. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc en fait, tu en gros, c'est des, comment dire, des programmes rien que pour le particulier qui fait la demande. Alors, le programme personnalisé, c'est ça. Le Top ouais. Rider Challenge, c'est un programme qui est en fait préécrit pour 4 semaines. Pour tout le monde, quoi. Tout niveau confondu. Ou alors, il y a peut-être plusieurs niveaux, non? C'est tout niveau confondu. C'est tout niveau confondu. Par contre, on dit bien que, voilà, par exemple, pour les personnes qui ont un niveau plus élevé, commencer directement à la semaine 2 ou ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Oui, en fonction, on adapte là où on commence, quoi. Je vois tout à c'est fait. Ça. Exactement. Et du coup, si on a le capteur et l'application, quels indicateurs doit-on surveiller en priorité lors d'une séance d'obstacles, slash de dressage, slash de plat? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui est intéressant à surveiller en fait en termes d'indicateurs par rapport au motion? Ok, alors, donc je vais répondre en plusieurs fois et si j'oublie, tu me dis. Alors, pour une séance d'obstacles, on a tout un pan dédié à ça dans l'application quand la personne utilise le capteur. En fait, on va venir répondre un peu à trois questions que se posent les cavaliers de CSO. Est-ce que je sais bien gérer mes abords? Est-ce que mon galop de compétition est maîtrisé, on va dire? Et est-ce que je respecte bien mes contrats de foulée? Donc, nous, quand le cavalier va faire un enchaînement de plus de 3 obstacles, on va venir donner le nombre de foulées entre chaque obstacle, donc pour avoir le contrat de foulée. On va donner la cadence avant et après les obstacles pour voir si le cheval a chargé ou pas l'obstacle ou s'il est arrivé de manière assez dynamique sur l'obstacle pour savoir si le rythme était respecté dans le galop. Et ensuite, j'avais dit quoi ? Excuse-moi. L'abord, la foulée. Ouais, d'abord le foulé et le galop de concours et les abords, c'est ça. Donc en fait, le galop de concours, ça va être sur le rythme, la régularité de l'allure. Donc ça, c'est pour voir si en effet le galop est bien le bon. Cadence pour les abords et contrat de foulée, enfin nombre de foulées pour les contrats de foulée. Donc ça, c'est pour la partie saut. On est vraiment en train d'analyser l'enchaînement de manière générale. On essaie de travailler sur l'analyse du saut isolé pour 2021 parce que c'est très demandé. Là, on analyse actuellement qu'un enchaînement de 3 obstacles et les gens nous reprochent généralement de ne pas pouvoir avoir d'informations sur un seul obstacle isolé. Donc, on est en train de développer ça pour 2021. C'est un peu la petite nouvelle. Ensuite, pour des... oui, c'est avant-première. voilà. Et ensuite, donc pour tout ce qui est... plat, enfin dressage, d'abord venir voir la cadence. Donc en fait, la cadence, ça va être de voir en fait la régularité de la cadence pour être sûr que le cheval est vraiment bien décontracté, pas qu'il se précipite à des moments ou alors qu'il accélère. Donc une fois que cette cadence est un petit peu maîtrisée, par exemple, vous pouvez faire des exercices, je sais pas, de barre au sol ou alors travailler sur des cercles pour être sûr que le cheval a une bonne cadence. Une fois que le cheval est bien décontracté, peut-être aller voir le rebond. C'est un peu... Enfin, une fois que la cadence est maîtrisée, le rebond, ça prouve la souplesse du cheval. Donc ça, voilà, les barres au sol un peu classiques, petit cavaletti, voilà. Donc ça, sur l'application, il y a plein d'exercices pour ça. Ils sont top, d'ailleurs. C'est super cool. Ouais, j'ai essayé. On aime bien avoir des retours comme ça, donc ça fait plaisir. De surveiller le rebond. Alors, ça, juste pour avoir une indication, les jeunes chevaux, généralement, ont un rebond un peu plus faible parce qu'ils sont forcément moins souples et moins musclés. Un cheval au top de sa carrière, on va dire, va avoir un rebond bien meilleur. Et plus le cheval va vieillir ensuite, plus son rebond va redescendre. C'est vraiment comme les humains, la souplesse diminue avec la vieillesse. Oui, c'est logique. Hein, après. Voilà. C'est ça. Et ensuite, du coup, donc dernière chose un peu à regarder en dressage, c'est tout l'aspect symétrie. Donc la symétrie, c'est super important en dressage. On va venir en fait analyser les deux bipèdes diagonaux et voir en fait si la poussée est la même pour être sûr que le cheval n'a pas une gêne, pour être sûr qu'il s'appuie bien sur tous ses membres. Et en fait, avec ça, on va voir si le cheval est bien symétrique. Après, attention, cette donnée-là, il faut l'analyser avec des pincettes. Si la symétrie n'est pas bonne, ça ne veut pas forcément dire que le cheval est boiteux ou ce genre de choses. Ça peut vouloir dire plein d'autres choses. Par exemple, que le sol
avarié, enfin que le sol n'est pas le même que celui de la séance précédente, que le cavalier n'a pas forcément eu une bonne position à ce moment-là. Voilà. Même peut-être potentiellement le matériel, si on essaye une nouvelle selle, ça peut le gêner plus à droite qu'à gauche. Tout à fait, c'est exactement ça, une nouvelle selle, ça peut complètement perturber la locomotion du cheval. Donc c'est un peu la symétrie, on sait que ça plaît pas mal aussi aux gens qui utilisent le capteur, parce que c'est une 9 sur 10 et que ça parle pas mal aux gens parce que c'est assez simple à comprendre. Après, il faut toujours la prendre avec des pincettes parce qu'encore une fois, on n'est pas vétérinaire et nous, on donne juste des indications d'évolution dans le temps, mais une mauvaise symétrie ne veut pas forcément dire une boiterie, quoi. Oui, ça permet pas de faire un diagnostic, en fait, ça permet simplement au cavalier de savoir un peu comment on progresse, évolue son cheval tout bêtement. Oui, exactement. Après, c'est quand même assez pratique parce que parfois, on ne se rend pas forcément compte, parce que nous, on n'est pas tout à fait symétrique, on ne s'en rend pas compte, le cheval n'est pas symétrique à cause de nous et ça peut aussi nous aider à corriger certains soucis. Exactement. Généralement, le retour qu'on a, c'est, en tout cas des cavaliers de dressage, c'est oui, quand je fais mes déplacements latéraux, ma symétrie baisse. Mais en fait, normalement, la symétrie, elle est censée rester la même, même pendant les déplacements latéraux. Ça veut souvent dire que le cavalier peut-être se tord un peu sur le cheval, ou alors que c'est le début des déplacements latéraux du cheval, donc il est un peu perturbé dans sa locomotion. Mais généralement, la symétrie doit rester la même, même en déplacement latéral, quoi. Mais en effet, le cavalier a un gros impact sur la symétrie généralement du cheval. Oui, d'ailleurs, ça répond à une question qui avait été posée sur le fait que la symétrie puisse varier beaucoup. Mmh. Donc, ça peut être plein de facteurs, finalement. C'est ça. Ça peut être vraiment plein de facteurs. En fait, ça peut être des facteurs, donc soit liés au cheval, auquel cas, si vraiment la symétrie reste très basse très longtemps, ou voire diminue, là, il faut peut-être aller voir un vétérinaire ou un ostéopathe. Ouais. Par contre, si on voit que la symétrie varie, monte, baisse tout le temps, c'est certainement un facteur plus extérieur. Donc là, il faut creuser, il faut voir si on n'a pas changé quelque chose dans l'entraînement. Ouais, d'accord. Ou peut-être même les pieds, le harnachement, n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses, en fait, c'est vrai. C'est ça. Alors, une question qui me concerne un peu, on va dire, parce que j'ai un jeune cheval. Que conseillez-vous pour l'entraînement d'un jeune cheval? Alors, pour l'entraînement d'un jeune cheval, donc, on conseille d'abord de venir déjà regarder potentiellement le ratio main droite main gauche pour être sûr de bien travailler aux deux mains et être sûr que le cheval soit musclé, on va dire, de manière égale aux deux mains. C'est très important. Ensuite, on va regarder la symétrie pour être sûr, enfin, pour un peu checker sa santé locomotrice finalement, voir s'il se déplace bien, s'il a une bonne locomotion. Et ensuite, le plus important, encore une fois, j'y reviens, c'est la cadence, quoi. Vraiment, quand vous avez un jeune cheval, avant d'essayer d'augmenter son rebond, enfin, d'améliorer son rebond, etc., venez travailler la cadence. Faut vraiment être sûr que le cheval ait une bonne cadence avant d'augmenter sur du rebond. C'est vraiment ce qu'on conseille tout le temps aux gens qui nous demandent qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeune cheval. Travailler la cadence dans un premier temps et après, vous pourrez améliorer le rebond. D'accord. Et tu as des petites idées d'exercices pour le travail de la cadence? Les exercices de barre au sol, ce genre de choses, ça peut aider? Exactement, barre au sol, ça peut aider. Alors, cavalier, c'est plus pour du rebond, mais bon, ça peut aussi aider. Après, nous, on travaille généralement vraiment beaucoup en cercle parce qu'en fait, ça évite au cheval de venir accélérer d'un coup. Enfin, ça le laisse en fait sur une certaine zone et ça l'oblige quelque part à réguler sa cadence, quoi. Donc, nous, on conseille généralement de travailler sur un cercle. C'est comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Bon, je sais, ça me fait des idées en plus. j'ai vu aussi le travail à l'allonge, la spirale là, qui se réduit, qui s'augmente et tout. Ouais, ça, c'est vrai que pour les jeunes, c'est pas mal comme idée. Ouais, mais tout à fait. Enfin, nous, vraiment, sur notre application, qui encore une fois est gratuite, donc c'est pas du tout un placement de produit pour un achat, donc c'est juste pour que vous alliez voir. Et voilà, il y a des exercices pour tout et n'importe quoi, c'est-à-dire du saut, du dressage, du travail à pied, du plat, de la longe, de l'extérieur, enfin vraiment, voilà, même de la mise en selle de cavalier. Donc il y a plein d'idées. Il y a des exercices pour le cavalier aussi, ouais. Il y a plein de choses. Oui, il y en a qui sont un peu compliqués à exécuter, mais on aime le challenge. Voilà. Et alors, du coup, tout à l'heure, tu nous as vendu un peu en avant-première que le capteur allait cibler des obstacles isolés. Est-ce qu'il y a d'autres surprises prévues pour 2021 avec Equifiance? Alors, pour 2021 avec Equifiance, donc on a des choses qui arrivent en effet. On prévoit déjà de faire pas mal de programmes d'entraînement avec des cavaliers connus, avec des influenceurs, tout ça. On a vraiment envie d'apporter cette expertise finalement des cavaliers pros dans nos programmes d'entraînement.
On a vraiment envie d'apporter aussi dans l'application un peu un côté de personnalisation de l'entraînement. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, même si le cavalier, par exemple, a un objectif, je sais pas, de compétition, il n'est pas possible pour le moment d'entrer cet objectif et de faire un programme en fonction de ça. Et nous, on a vraiment envie d'apporter ça pour 2021 et que l'entraînement soit finalement personnalisé à chaque cavalier. Voilà. Et après, bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais je ne sais pas si j'ai le droit de tout dire, donc je vais essayer de le garder pour moi. mais il y a beaucoup de choses vraiment là en route actuellement, on ne se repose pas, voilà. Ouais, ben c'est bien, tant mieux. Mais oui, en gros, dans l'idée, on peut dire qu'en fait, vous allez essayer d'avoir une approche plus personnalisée de manière générale pour que ce soit pour le Top Rider Challenge ou même pour l'application. Exactement. Parce que comme ça, voilà, c'est un peu plus au cas par cas en fonction de nos objectifs perso, quoi. Exactement, en fait, on s'est rendu compte que les cavaliers, il n'y avait pas un type de cavalier, enfin, tous les cavaliers sont différents, tous les chevaux sont différents, tous les couples cavaliers-chevaux sont différents, donc finalement, c'est super important pour nous de pouvoir adapter l'entraînement, donc on a plein d'exercices qui correspondent à plein de niveaux, mais maintenant, il serait super intéressant de proposer, on va dire, un programme à chaque cavalier qui a tel objectif, qui a tel cheval avec tel âge, qui a tel problème potentiellement sur tel exercice, enfin voilà, on veut vraiment apporter cette... un peu ce suivi personnalisé qu'on apporte avec nos programmes personnalisés, mais directement dans l'application. Et on veut aussi vraiment intégrer le coach à cette, on va dire, un peu à cette réflexion de l'entraînement, parce que là, il y a beaucoup de gens qui peuvent nous reprocher des fois de vouloir prendre la place du coach, alors que nous, au contraire, on ne pense pas du tout prendre cette place-là. Et on veut vraiment qu'en fait, il y ait un peu ce dialogue entre le coach et le cavalier sur notre application. Peut-être que le coach suggère des exercices, au cavalier. Qui mettent des commentaires sur la dernière séance, qui mettent des suggestions. Enfin voilà, on a vraiment envie qu'il y ait un peu cette interaction cavalier-coach. Le partage aussi là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en plus, pour l'avoir juste essayé, les exercices, ça donne aussi beaucoup d'idées. Parce que quand on voit son cheval tous les jours, même si on ne travaille pas tous les jours, on est à court d'idées. Enfin, parfois, ça fait du bien d'aller piocher un peu à droite, à gauche. Et c'est vrai que sur l'appli, pour toutes les disciplines, il y a des petits exos, en plus, d'ailleurs, il y en a quand même pas mal. Et ils sont déjà sélectionnés par niveau, en fait. Oui, c'est ça. Et là, lorsque tu parles de faire un programme un peu plus spécifique par cheval, par cavalier, j'ai vu dans l'application, tu peux rentrer tes chevaux. Et donc, si par exemple, moi, j'ai un jeune cheval et puis j'ai un cheval un peu plus expérimenté, je peux dire, voilà, j'ai un programme pour ce cheval, un programme pour ce cheval. Ouais, ce serait l'objectif vraiment, si on arrive à faire ça, vraiment, ce serait le top, parce que, comme tu dis, un cheval, par exemple, qui sort de convalescence, ou un jeune cheval, ou un maître... en fait, il y a vraiment différents profils de chevaux, et c'est, je trouve, un peu binaire de proposer le même programme à tout le monde, et voilà, je pense que c'est pas une vérité dans le monde de l'équitation, donc autant personnaliser l'entraînement au maximum, et voilà, ça conviendra à tout le monde, comme ça. Bah ouais, mais franchement, je souhaite que ça marche en ce sens, parce que la fille, elle est déjà vraiment super chouette. Et voilà, alors du coup, je sais pas si on a d'autres questions, je sais pas si tu veux développer une partie. Alors attends, j'ai peut-être oublié des trucs parce que. Je regarde aussi. Alors, non, bah après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des questions, c'est un peu trop... En fait, c'est trop général. Typiquement, là, il y a une question qui est la fréquence normale, enfin moyenne d'un cheval au galop. Ça dépend de son activité, du cheval, de tout un tas de trucs, en fait. Là. Non, en fait, ça dépend... Choses. Ouais, ça dépend de beaucoup de choses. En fait, il faut juste savoir qu'un cheval ne peut pas dépasser physiquement 240 battements par minute. Ça, c'est impossible. On va dire que la moyenne de fréquence cardiaque pour un cheval au galop, ce serait entre 100 et 120 battements par minute, environ. Voilà, après c'est des moyennes, donc des fois il y a des chevaux qui sont un peu en dessous, un peu au-dessus, ça peut vouloir dire encore plein de choses, ça peut être parfois médical, donc ça voilà, encore une fois avoir avec votre vétérinaire, c'est ça. Voilà. Ça peut parfois ça témoigne parfois d'une mauvaise condition de cardio, donc là on revient à l'étape du il faut travailler le cardio, il faut travailler le cardio, voilà. Et voilà, enfin après, encore une fois, c'est nous on donne des moyennes pour que les gens arrivent à se situer. Et parce que voilà, donner des battements par minute comme ça à la volée, c'est généralement pas très parlant. Donc on préfère donner des moyennes, comme ça les gens arrivent à se situer et à savoir s'ils sont je mets des gros guillemets, dans la normalité. Mais après, une fréquence cardiaque est plus élevée ou moins élevée, ça peut aussi s'expliquer. Donc, il faut creuser derrière ça. Voilà. Encore une fois, on donne des données. Nous, on ne se prétend pas vétérinaire ou coach, quoi. Oui, c'est juste, en fait, c'est un petit coup de pouce pour améliorer sa façon d'entraîner son cheval.
Exactement. C'est exactement Voilà. ça. C'est un petit coup de pouce. C'est un coup de pouce pour les cavaliers qui montent parfois seuls aussi, qui ont besoin, quand ils n'ont pas leur coach, en fait, d'avoir un avis un peu, on va dire, objectif avec des chiffres. Et ça peut aussi être dans une optique d'évolution, de suivre un peu l'évolution de son cheval à travers les séances, parce que des fois, on ne se rappelle pas de ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Et c'est bien d'avoir une trace, en fait, de son planning et de son programme et de se souvenir de la séance qu'on a faite il y a 2 semaines, quoi. Ouais, ça, Voilà. c'est vrai que ça peut servir, surtout Et quand on ça était dans peut. l'air, comme moi, par exemple. Voilà, comme moi aussi. Donc, ça peut Voilà. accessoirement servir de se rappeler de ce qu'on a fait. Voilà. Et alors, du coup, on va continuer sur des questions qui n'ont plus trop rapport avec l'appli ou les chevaux directement, mais c'est juste par rapport à Equisense. Donc, combien vous êtes dans l'équipe en tout? On est là actuellement, on est une quinzaine. On reste encore une petite équipe. Hein. On a été créé il y a 5 ans, 6 ans maintenant, vu qu'on est en 2021. Donc, c'est encore, on était encore une start-up il y a pas très longtemps. Depuis, on a intégré le groupe Voltaire. Donc, on est une quinzaine dans l'équipe Equisense. Et après, dans le groupe, voilà, on est bien plus. Mais voilà, on a encore une petite équipe. C'est encore très familial, quoi. Donc, c'est Ok. sympa. Et vous pensez peut-être agrandir un peu la famille ou pour l'instant vous avez. Parce qu'il y a des questions, est-ce que qui s'en se recrute? Est-ce que qui s'en se recrute encore? C'est ça la question cachée en Ouais, c'est ça, il faut cacher. fait. ouais, donc là, bah, actuellement, on recherche un stagiaire chargé de communication, donc qui va vraiment être à la tête un peu de nos réseaux sociaux et qui va répondre finalement aux abonnés, qui va faire des stories, qui va voilà animer un peu tout ça parce qu'on a une belle communauté qu'on remercie d'ailleurs, on a une belle communauté sur nos réseaux. Et on recherche également un chef de produit qui pour développer justement le produit le Motioness à l'avenir en 2021 pour le plus rapidement possible. Voilà. Donc tout ça, toutes ces offres-là sont sur le site carrière du groupe Voltaire si jamais ça vous intéresse. Ok, bon, ça c'est bien aussi, comme ça, s'il y a des intéressés, Voilà. voilà, c'est l'occasion. Aucun doute. Voilà, c'est ça. Et puis, bah, écoute, je pense que on a fait le tour. Je ne sais pas Bah si tu oui. voulais aborder encore quelque chose, mais je crois que là, dans les questions qui avaient été posées et même sur le chat actuellement, on est à jour, visiblement. Oui, ça me paraît, ouais, ça me paraît, enfin, en tout cas, j'ai abordé tous les points qui me paraissaient les plus importants. Voilà, après, Ok. si vous avez des questions, enfin, je parle aux gens qui nous regardent, n'hésitez pas à venir nous voir, enfin, à nous parler sur Instagram, et nous, on répond toujours, on est très réactifs, on aime bien répondre à vos questions, même si c'est des suggestions, voilà, parlez-nous, on vous répond. Ok, bon, bah, super. Bah, je pense qu'on peut dire qu'on. Voilà, bah, c'est bon. Tout est dit, quoi. Oui, ok, La bon, page bah. Instagram, donc c'est. Ouais, la page Instagram, c'est @equisens, tout bêtement. C'est ça. Et on a aussi une Voilà. page du coup en anglais, donc c'est Atekissance c'est tiré du bas EN, et aussi une page en allemand, donc c'est Ah oui, en pareil. allemand. Ouais. Ouais, voilà, Atekissance tiré J'ai du bas DE. Voilà, ok. Comme ça, s'il Voilà. y a des Anglais ou des Allemands, eh ben, ils peuvent aussi venir vous poser des questions. Ils auraient du mal à suivre peut-être pendant le live, mais C'est ils peuvent ça. venir sur nos pages Instagram. Au cas où, ils viennent. Ok, Voilà. bon, ben bah, voilà, je pense que. Alors, je ne sais pas comment c'est censé se conclure ce Je sais live. pas, bah, déjà merci à tous et Ouais, merci à tous pour votre participation. Merci à Mika, merci à toi Lorraine d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, ben voilà. merci à toi. Ah, merci, bah, de rien. Et puis voilà. Je ne sais pas comment c'est censé s'arrêter. Bon, bah au revoir, bonne soirée. Alors attends. Revoir.